L'argent ou bien bon Dieu? Tout le monde besoin de l'argent. Pas un monde qui va besoin de l'argent. Parce qu'avec l'argent, on est capable de faire presque tout le bagaille. Je vous dis, vous mieux chercher l'argent plus que vous cherchez bon Dieu. Pourtant, sans oublier, c'est que c'est bon Dieu qui est capable de combler tout besoin de nous. En allant dans la Bible ensemble avec vous. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous avons besoin de l'argent pour nous capables libres, parce que nous avons l'argent pour libre tout. Les possibilités pour voyager, pour aller côté où vous voulez, avec l'argent, presque qu'à entrer tout de côté. Nous préférons chercher l'argent que nous cherchons mon Dieu. Pourtant, c'est bon Dieu qui a la liberté ça n'a pas cherché. En gardant ensemble avec la Bible. Il dit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Nous avons besoin d'argent tout pour nous vivre une vie extraordinaire. Nous préférons chercher l'argent au lieu que nous cherchions bon Dieu. Pourtant, c'est bon Dieu qui a une vie sans limite. En regardant ça avec la Bible, Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons besoin d'argent pour nous vivre en paix, parce que lorsqu'on a l'argent, il y a possibilité pour vivre éloigné, côté que vous en paix ou sans problème. Oui, nous préférons chercher l'argent au lieu de chercher bon Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui procure la plénitude. En gardant ce ma même dans la Bible, il dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Pourtant, l'argent appartient avec bon Dieu. En regardant ce même dans la Bible, ça qu'il dit dans Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ça veut dire le sien d'elle.